des principes qui sont inconcevables pour la plupart d'entre nous et qui pourtant est la source de notre joie. Comment ferons-nous si nous avons nous-mêmes dans nos principes des choses qui nous empêchent d'être joyeux? Et qu'est-ce qui fait que ce soit ainsi? Un des principes, c'est que dans ce monde, on aime. On va aimer, mais à condition que... Voilà un principe que pour la plupart, nous empêche tous d'être vraiment joyeux. Parce que nous posons des conditions au don que l'on a pour l'autre. Donc, le don ne va être que distribué en petite quantité et restreint seulement à condition que les choses marchent bien. Et la plupart du temps, malheureusement, les choses ne marchent pas comme on entend. Parce qu'il y a l'attente, il y a la frustration de ce qu'on attend de l'autre. Ça fait que ce principe fondamental de notre vie, qui est l'amour inconditionnel, aimer sans rien demander à qui que ce soit, à quoi que ce soit, accepter la vie telle qu'elle est, l'accueillir comme c'est, ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas demander à l'autre de faire des choses pour que tu puisses toi être dans le bien-être. Parce que le bien-être ne vient pas de ce que l'autre peut te donner. Le bien-être vient quand tu es toi-même bien, en train de donner. Parce que c'est le seul moment dans notre vie où tout prend un sens. Quand tu prends quelque chose de quelqu'un, tu te donnes un sens à la vie. Mais la vie, c'est pas la vie ça. C'est ce que tu te demandes, tu te donnes à toi une opportunité pour avoir du plaisir. Parce que, en fait, tu ne sais pas d'où puiser ta source, alors tu vas la chercher ailleurs, dans ce qui a déjà été coulé, dans l'eau qui a déjà coulé vers la mer. Mais elle est... cette eau, elle est déjà salie par le courant qui a emmené et charrié toutes les histoires de la vie. Donc, à la source, ce que tu es est ce qui est donné. Et tu es ce don de la vie. N'attends pas que quelqu'un puisse te rendre heureux. Ça n'existe pas. C'est une illusion. C'est... croyance, mais ça n'existe pas. Vous savez, les histoires de prince charmant, quelqu'un qui sera un jour à mes côtés pour me sauver. Non, ça n'existe pas. On se sauve soi-même de ces cafards et de ces problèmes. Parce que le cafard que l'on a, c'est nous-mêmes qui l'avons invité. Donc tu devrais pouvoir nettoyer chez toi de tes cafards. Et il n'y a personne qui le fera pour toi si tu ne le fais pas toi-même. Et tu crois que quelqu'un viendra et puis avec sa clarté pourra éloigner un peu les cafards? Ah, peut-être c'est un réconfort de quelques instants, quelques heures, peut-être pendant un moment de ta vie où tu rencontres quelqu'un qui est joyeux, qui t'embarque dans une envie d'être aussi à côté de lui. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est que chacun d'entre nous, on doit émerger la joie qu'il y a au fond de soi, la source dans laquelle tout se passe. C'est là que la vie se vit, mais pas dans ce que nous voulons avoir de l'autre, dans ce que l'autre peut proposer pour que on soit heureux. Non,
D'ailleurs, la notion du bonheur dans ce monde, il est calculé par rapport aux habitudes et aux train-train dans lesquels on vit. La monotonie dans laquelle on est, les répétitions qui se font d'instant en instant et de jour après jour, nous condamnent à une vie de monotonie médiocre où il n'y a pas de joie. Donc c'est pour ça que nous le cherchons. Ce bonheur est le résultat de notre mal-être. Là, autrement, quand tu es joyeux, quand tu es toi-même, heureux ou pas heureux, ça n'a plus d'importance, puisque c'est pas le bonheur qui compte, c'est pas ce que tu peux gagner qui compte, c'est ce que tu es. Et ce que tu es est un paquet de joie dans tout ce que tu entreprends, parce que ce que tu es, c'est la créativité de l'existence autour de toi, en toi. Et si tu sais, tu apprends à émerger ce que tu es vraiment, sans ramener toutes les histoires que tu connais, que tu as appris sur ce que tu es. J'explique mieux. Les histoires que tu as apprises, que tu as fait de toi, l'image que tu te donnes de toi, ce que tu es devenu, ça c'est une croyance. Mais ce que tu es, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent à tout ce qui se joue? Est-ce que tu es le témoin de tout ce qui se joue? Parce que être présent, ça veut dire être présent à toute l'action, à tout ce qui se passe, à tout ce qui se joue dans ta vie et dans la vie autour de toi. C'est un état d'observation constant où il y a dans cet état d'observation une intelligence qui agit sur la scène. Voilà ce que tu es. Tu es ça. Tu es cet état qui voit la vie depuis une position bien, bien plus grande et qui sait regarder l'ensemble pour coordonner l'ensemble. Mais si tu es dans ton petit monde, avec tes trains-trains et ta monotonie, comment pourrais-tu faire ça? Tu es prisonnier de tout ça. Tu n'es plus toi-même. Tu es ton histoire. Tu es l'histoire. Mais tu n'es pas toi. L'histoire, tes drames, tes succès, tout ça, c'est pas toi. Ça, c'est la vie qui se passe. Et tu dois pouvoir regarder cette vie qui se passe et t'apercevoir que c'est futile, tout ça. Et que ce que tu es, toi, est éternel. Sans commencement et sans fin. Voilà ce que tu es. Écoute, je te souhaite une belle journée et une belle vie. À bientôt.